Bonjour, ici Lina du BTS NDRC et aujourd'hui nous allons parler de la taxe d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le seul impôt dont vous choisissez le bénéficiaire. Pour notre lycée, c'est une ressource indispensable pour rester à la pointe de l'innovation en proposant une formation adaptée aux élèves. Votre participation nous aidera à relever ce défi. Nos objectifs grâce à la taxe d'apprentissage sont deux. Soutenir les projets pédagogiques de nos enseignants et de nos étudiants. Améliorer la qualité de nos formations, nous adapter aux attentes du monde professionnel, renforcer le suivi individuel des jeunes, entretenir nos relations avec les entreprises, toujours au cœur des investissements de nos étudiants. Alors, pourquoi nous verser la taxe d'apprentissage? Grâce à son versement, nous pouvons assurer la pérennité de nos actions en matière d'innovation pédagogique et de formation de futurs talents qui rejoindront vos équipes demain. Dans le cadre du programme étudiants citoyens que notre BTS a mis en place en 2018, nous apportons notre contribution à la société. Actuellement, en partenariat avec Invi78 et Hubitonomy, nous accueillons dans nos classes plusieurs startups afin de les accompagner dans le lancement, les aider à prospecter, à créer leur blog, à faire des vidéos et de la prise de vue au montage. J'ai adoré le projet accompagnement des petits commerces. Ça fait plaisir d'aider les petits commerçants. Notre section mixte, c'est-à-dire étudiants sous statut scolaire et apprentis, ne cessent de grandir. De 10 apprentis l'année dernière, nous sommes passés à 23 cette année. Sous statut scolaire, notre effectif a doublé. Mais nous restons toujours actifs, digitalement actifs et citoyennement actifs. Nos besoins augmentent. Notre implication, notre engagement citoyen, nos actions multiples attirent vers notre BTS de plus en plus d'étudiants.